23 ans après avoir fait ma dernière partie de Brawl Stars, on est aujourd'hui de retour sur le jeu. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'y jouer. Vous le savez, j'ai toujours kiffé Clash of Clans, Clash Royale, mais surtout, j'ai toujours dépensé beaucoup d'argent. Et comme vous le voyez, du coup, aujourd'hui, j'ai tout simplement déjà rechargé mon compte avec plus de 2000 gemmes, puisqu'il y a énormément d'offres qui m'intéressent actuellement dans la boutique, notamment le petit pass de combat. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous voulez que je l'achète, oui ou non? Est-ce que vous voulez que je le maxe surtout? Mais là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un gros pack opening, puisque comme vous le voyez ici, on a énormément d'œufs qui sont à notre disposition. Donc là, je recommence Brawl Stars sur un compte tout neuf, les gars. Je n'ai vraiment rien du tout dessus. Donc c'est parti, vous savez quoi? On va pas perdre plus de temps. On va tout de suite commencer justement à acheter les œufs et on va voir ce que ça va donner. Donc forcément, je vais pas vous mentir, j'espère avoir des ressources pour pouvoir améliorer des personnages. Il y a des brawlers que je ne connais pas encore. Hein, forcément, les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc du coup, il y a des mutants. Oh, ok, petit œuf épique, d'accord, ok. Nouvelle icône de joueur. Bon, en vrai, ça, c'est un petit peu de la merde, les gars, on va pas se mentir. Donc, dites-moi, les gars, un petit peu, vous, de votre côté, est-ce que vous avez suivi la hype, justement, autour de Brawl Stars et vous y avez rejoué ou peut-être même vous y avez joué pour la première fois? Donc là, en tout cas, le premier coffre, c'était un petit peu de la merde, on va pas se mentir. Nous, on est là aujourd'hui pour ouvrir, donc on va continuer les achats. Donc, oh, ok, épique, s'il te plaît. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va me permettre, justement, de débloquer de nouveaux personnages. Ensuite, pour l'instant, je vais pas vous mentir, depuis que j'ai recommencé, j'ai que de la merde dans ces œufs. Je crois que j'ai encore même pas eu un seul truc légendaire, dites-vous. Même pas un seul. C'est assez honteux. Donc pour l'instant, ok, deux ressources, moi ça me va. Il m'en faut. De toute façon, les gars, vous le savez, si vous jouez un petit peu à Brawl Stars, vous avez absolument besoin de ressources justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer vos personnages et tout ça. Donc, super. Ils veulent pas me donner, ils veulent pas me donner le légendaire, les gars. Ensuite, on enchaîne. Donc là, des petites ressources super rares. Donc du crédit, d'accord, ça va me faire... Ouais, oh, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, en plus, je l'utilise. Je l'utilise Buzz, les gars, je vais pas vous mentir que je l'utilise. Donc moi, ça me met plutôt bien, justement, d'avoir débloqué ce skin pour l'instant. Alors, des petites pièces. On va y revenir, les gars, dans quelques secondes. Mais justement, les pièces, ça va m'être très, très utile, puisqu'en fait... Je viens de recommencer et tout comme j'avais fait du coup sur Clash Royale, pour ceux qui ont suivi mes vidéos Clash Royale en 2022-2023 sur la chaîne secondaire, et ben en fait j'ai envie de créer mon propre clan. Donc dans quelques secondes, les gars, je vais vous montrer tout simplement le nom du clan que j'ai créé. Vous allez pouvoir le rejoindre, comme ça on va pouvoir faire les événements ensemble, on va pouvoir forcément créer du contenu ensemble. Je pense que ça va être pas mal, les gars. Oh, ok, de l'épique. Ok, du crédit, d'accord. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on arrivera justement à débloquer le brawler qui est en attente. Je ne le connais pas encore, celui-ci. Allez, super rare. Ok, encore des petites pièces. Ça va nous permettre d'acheter des skins ou des choses comme ça. Je sais même pas, les gars, qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre que des skins justement avec ces pièces. Ok, épique encore. Du crédit. Bon, je pense que Bou, du coup, je crois qu'il s'appelle comme ça, on va pouvoir le débloquer assez facilement. Encore des ressources, d'accord. On va pouvoir faire des trucs sympas, là. Attendez. Allez, c'est parti. Nouvel œuf à 149 gemmes. Donc, les gars, dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous voulez plus de vidéos un petit peu de ce style sur la chaîne? C'est vrai qu'en ce moment, j'essayais pas mal de jeux un petit peu. Vous le savez, moi, j'ai, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai toujours joué à Clash of Clans, Clash Royale. Justement, tous ces jeux mobiles. Moi, je suis un énorme geek, les gars, en dehors de Fortnite. Et vu qu'il y a pas mal de personnes en ce moment, justement, qui font des vidéos sur le jeu, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit, mais Luen, tu pouvais faire ça sur... Ah, légendaire. Oui, frérot. Oui, frérot. Godzilla rouge. Il est incroyable. On va aller le tester juste après. Oh, putain, ça, ça fait plaisir, ça. Oh. Je pensais qu'on allait réussir à avoir deux dingueries vraiment d'affilée. Là, ça aurait vraiment été incroyable, les gars. Est-ce que vous avez déjà eu, genre, deux œufs super rares d'affilée comme ça? Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment, vraiment avoir énormément de chance. Ok, donc là, Bou, on va pouvoir le débloquer juste après. Ok, petit truc épique, donc c'est des tags. Est-ce que vous trouvez que les tags, c'est vraiment utile, les gars, sur Brawl Stars? Personnellement, je trouve pas trop. Vous savez quoi? J'ai envie de tester un truc. Lui, je vais le faire à l'aveugle. C'est parti. Est-ce que ça va être quelque chose de bien? Ok, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais par contre, on débloque quand même du coup Boom. L'un de mes premiers brawlers justement en épique. Lui, bon, on va le débloquer assez rapidement, je pense. Allez, c'est parti pour un nouvel œuf, les gars. Portez-moi chance, s'il vous plaît, les gars. Appuyez tout de suite sur le bouton de like pour me porter chance. Ah, on était pas loin. On n'était pas loin d'avoir une dingue. Une dinguerie. En vrai, je sens la chance, elle est avec moi, les gars. Je sens que la chance, elle est avec moi. Ok. Oula.
vous la sentez les gars, elle est vraiment pas loin, elle est vraiment pas loin. Je pense qu'avant la fin de la vidéo les gars, on va réussir à avoir des trucs légendaires encore, c'est sûr et certain. Donc là j'ai la mutation justement debout. Ok, allez, encore du coup de l'épique, super rare. Des ressources, les ressources je prends. Moi les gars, limite les ressources c'est le truc dont j'ai actuellement le plus besoin vu ma position. Je suis obligé d'en avoir. Ok. Oh mythique, qu'est-ce qu'on a? Oh what, 500 bling, ça c'est pas mal. Alors là attendez, petit bilan, où est-ce qu'on en est? Déjà les gars, regardez en direct, en pleine vidéo, boum, je viens d'ouvrir mon clan. Du coup le clan il s'appelle LEN, vous avez l'identifiant du clan à l'écran, comme ça on va pouvoir en fait tous ensemble faire l'événement de Godzilla. Donc on va devoir péter un maximum d'œufs. On va enchaîner parce qu'on a quand même encore beaucoup d'œufs à ouvrir pour cette vidéo. Et vous le savez, moi de toute façon les gars, c'est comme Fortnite frérot, regardez, j'ai encore des cartes de bug qui traînent à côté de moi. Les gars, c'est comme Fortnite, moi dès qu'il faut dépenser dans les jeux vidéo, je suis au rendez-vous frérot, je suis le premier. Donc déjà là, j'ai débloqué tous les brawlers les plus basiques du jeu. Donc ensuite, allez on va prendre Tick, en vrai c'est pas non plus le meilleur à débloquer. Mais faut bien commencer quelque part. Ok, ok, tout ça c'est du basique, tout ça c'est du basique. C'est du basique frérot, c'est du basique. Moi j'ai besoin... On a failli avoir une dinguerie. Après faudra que j'aille vérifier justement avec mes pièces là quel skin je peux acheter. Vous allez peut-être pouvoir me conseiller dans l'espace commentaire. Regardez là au niveau des cosmétiques pour l'instant, il me manque encore, mais pour l'instant j'ai déjà 2000 petites pièces. En vrai c'est pas mal du tout, il faut commencer quelque part. Allez là, la chance du légendaire là, que la chance du légendaire soit avec moi les gars. Oh ça j'aime monsieur. Du coup petite mutation pardon pour Colt. Donc là, encore une fois, des pièces pour les skins. Du crédit. Ok, moi, de toute façon, les crédits, tous les crédits, je prends. Il faut que je débloque. Ouais ! Faut que je débloque un maximum de bro. C'est de la... Je pense que dans un œuf légendaire, les pièces, c'est vraiment le pire truc à débloquer. C'est bon ? Non, je vous le dis, je le pense réellement, les gars. Je pense que dans un... Oui ! Stop les ! Oh oui! Super Ranger rouge. Du coup pour Brooke. Donc pareil, on va l'équiper et on ira le voir juste après. Oh putain, c'est incroyable. Vous le voyez depuis là, depuis quelques minutes là, on a déjà un peu plus de chance. On a déjà un peu plus de chance. Là, on débloque des brawlers. On a eu deux trucs légendaires quand même, c'est pas mal du tout. Donc là, forcément, les gars, je suis obligé de débloquer le Power Ranger bleu. Donc du coup, pareil, sur Brooke, on ira du coup les voir juste après, les gars, les deux skins. Ensuite, on va continuer, les gars. On a encore des gemmes. On va continuer, vous le savez, c'est le but de la vidéo. C'est du pack opening. Hop. Ok, pas mal. Bah, punaise. À partir du moment où les œufs commencent à passer en épique, à chaque fois, tu sais, t'as le petit espoir de te dire est-ce qu'il va pas monter, il va pas monter encore un petit peu. Allez, super rare. Ok, bientôt, on débloque Tick. Donc ça, c'est pas mal. Encore des ressources. Les ressources qui vont m'être très très utiles, les gars. Punaise, j'y ai cru, les gars. Alors là, je crois que, justement, voilà, ok, on a fini. Bon, ça va, en vrai, il nous reste quand même pas mal d'œufs, les gars. Il nous reste encore pas mal d'œufs. On a encore plusieurs chances, justement, de pouvoir débloquer des dingueries. Ok, donc déjà, le brawler, il est débloqué. D'accord, ça c'est bon. Donc c'est mon 4ème sur 10 justement dans la catégorie. Ok, nouveau brawler épique. Ah les mecs je prends, non je suis désolé hein. Je suis désolé les mecs hein. Toutes les personnes justement que je vois avec Franck sont super fortes. Donc écoutez les gars, je vais essayer de le débloquer. Après ça va prendre du temps. Les brawlers épiques sont super longs à débloquer. Putain, il faut 925 de crédit pour les débloquer. C'est vraiment vraiment énorme. Ok, nouvelle icône de joueur. Je trouve pas forcément ça super utile, mais c'est pas grave. Ok, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc là, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 œufs. Enfin, 5 œufs. 5 fois, du coup, 12 œufs, vous avez capté. Ce qui nous fait encore 60 œufs à débloquer. Donc, nouvelle icône de joueur. Encore des pièces. T'as les pièces, les gars. Après, je vais aller me faire un plaisir d'améliorer mes personnages. Oh, c'est quoi ça? Mutation du coup pour Tick, d'accord, que j'ai débloqué juste avant, donc il y a quelques minutes dans la vidéo. Super rare, du crédit.
Ça, si seulement je pouvais réussir à débloquer Franck, les gars, avant la fin de la vidéo, ce serait vraiment, vraiment incroyable, mais ça me paraît compliqué, hein. Ça me paraît très, très compliqué. Encore des pièces, super rares. Ça fait un petit moment là qu'on n'a pas eu de chance là. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu de chance là quand même là. S'il vous plaît, Brawl Star. S'il vous plaît, juste un petit légendaire. Ah, punaise. Ok, ça va rester. Oh, ok, 100 crédits, je prends. Les crédits, je prends. Ok, les pièces aussi. Ça va me permettre justement d'avoir les prototypes et tout ça sur mes personnages parce que J'ai encore des personnages qui les ont pas. Punaise, j'ai pensé que ça allait se transformer en légendaire. Donc, nouvelle icône de joueur, une nouvelle fois. Ok, épique. Donc, des blinks, j'en ai 100. Là, je pense que je dois en avoir... Je dois en avoir beaucoup! S'il te plaît! Je peux acheter n'importe quel skin qui est dans la boutique. Mais dites-moi, justement, dans l'espace commentaire, est-ce qu'il y a l'un de ces 4 skins qui vaut vraiment la peine d'être acheté? Allez, il nous reste encore 3 fois 12 œufs à aller ouvrir avant qu'on puisse faire un bilan global, justement, de ce pack opening et qu'on puisse aller tester certains skins qu'on a eu depuis tout à l'heure. Et oui, un nouveau skin! Du coup, Jackie Ultra Foreuse. Ok. Équipé, bien entendu. Ça fait très plaisir. Bienvenue dans l'équipe, Jackie. Le premier qui fait la blague dans l'espace commentaire, Jackie, et blablabla. Frérot, il va manger un ban à une vitesse. Ça va être incroyable. Allez, encore du crédit. Il faut qu'on débloque Franck. Ok, moi je prends les ressources, les gars. Après, je vais vous montrer un petit peu justement les brawlers. Où est-ce que j'en suis? Donc, vous l'avez vu de toute façon un petit peu là, il y a quelques minutes. C'est que comme je recommence sur un compte qui est tout neuf, en fait, il faut vraiment tout faire, les gars. Il faut vraiment tout faire. Je pense qu'on arrivera à voir Franck, les gars, à la fin de la vidéo. Oui, on va réussir à l'avoir tranquillement, puisque là, on a quand même beaucoup de chance depuis tout à l'heure. Oh, il me manque rien! Il me manque 15! Allez, s'il te plaît! Débloque-nous Franck! Ok, c'est parti les gars! On a enfin débloqué Franck, donc ça me fait un nouveau brawler épique. 3 sur 25! Putain, il m'en manque encore. Donc là, nouveau brawler. Oh punaise, je sais pas lequel prendre. Du coup, je vais prendre elle. Parce que j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un personnage qui met des grosses tatanes. Et moi, du coup, j'aime bien les personnages qui mettent des grosses tatanes. Allez, c'est parti! Encore quelques ressources. Je crois qu'on arrive au bout, les gars, pour ces œufs. Ok, et là, du coup, il nous en reste plus que un pour pouvoir débloquer le skin Buzz Godzilla. C'est parti. Et du coup, on va pouvoir débloquer le skin ultime juste après. Du coup, je suis plutôt bien, là, les gars, pour quelqu'un qui recommence Brawl Stars. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, la mutation de Franck. Voilà, ça fait plaisir, ça. Encore du crédit, du coup, pour débloquer Tara. Par contre, il va m'en falloir 950 des crédits. Ça va être très très long là. Parce qu'une fois qu'on aura ouvert justement tous ces différents packs, il n'y aura plus beaucoup de choses à faire. Et là, je crois que c'était un légendaire. Et en fait, non, ça s'est arrêté à mythique. Allez. Et là, je crois que c'était le dernier, sauf erreur de ma part. Et oui, c'était bel et bien le dernier. Et là, regardez les gars, c'est parti. Du coup, on va débloquer le skin Godzilla, du coup, pour Buzz. Let's go. Donc, on va tout de suite l'équiper. En plus, j'ai débloqué toutes les différentes emotes. Ça, c'est incroyable. Bon, c'est parti. On va quand même se lancer une petite game, au moins pour tester le skin. On est littéralement obligé. Donc déjà, je commence avec 8000 points de vie. C'est beaucoup plus que ce que j'avais avant, les gars, puisque forcément, Elise, il y a moins de points de vie. Je crois que j'en avais 6000 quand je débutais les games. Donc là... Déjà, attendez, parce que ça fait quelques... Ok. Ok, il est énervé. Buzz, comme ça, a l'air d'être très, très énervé. Ok, c'est parti. Donc là, pour l'instant, je suis bien. J'ai déjà éliminé deux petits adversaires. Je pense que ça vaut le coup qu'on aille justement faire ça. Allez, encore un petit coup et encore un petit coup. Hop, comme ça, là, on a déjà... Oh, et garçon, t'approches pas trop. Garçon, ne t'approche pas trop. Si je peux te donner un conseil, ne t'approche pas trop de moi. Et j'ai mis ma capacité pour voir à travers les bushs pour rien en plus. Je viens de me rendre compte, c'est pas grave. Et en fait, j'ai pas l'habitude, les gars, avec Elise, comme j'utilise d'autres capacités de base. Donc là, c'est un kill, ça. Ça, c'est un kill, ça.
Oh merde. Ok, ils sont en train de se battre. Justement, ils sont tous au middle. Donc là, ça vaut le coup justement de mettre ma capacité. Ah, de toute façon, je peux pas. Je pense que je ne peux pas gagner. Aïe, c'était compliqué les gars. Après c'est très très tanky, surtout j'ai pas l'habitude de jouer avec Buzz personnellement. Mais ok, déjà c'est un bon avant-goût, c'est un très très bon avant-goût les gars. Moi de base j'utilise Elise les gars. Elise c'est vraiment mon personnage pour l'instant. Après vous l'avez vu, je les ai pas encore tous débloqués, ça se trouve à un moment donné je vais en préférer un autre. Mais en tout cas Elise c'est vraiment le genre de personnage que je maîtrise de fou. Ok, donc là, on a un début de game, il est pas mal, il est pas mal du tout. Hop, on va juste faire quand même vérifier ce petit bush. Ok, bah après, si ça touche, les gars, on va pas s'en plaindre, hein. Si ça touche, on va pas s'en plaindre, écoutez, hein. Encore, peut-être. Oh. Ok, ça a pas retouch. Moi, je préfère partir un petit peu de ce côté pour l'instant. Là, il reste encore 6 adversaires. Ok, là, je gratte le kill. Voilà, merci. On va juste récupérer tout ce que t'avais mis par terre. Merci à toi, frérot. Ouais, les gars, Elise, ça, là, je suis dans mon élément. Oh là 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 là. Par contre, lui, il met des grosses tatanes, là. Ouh, you, 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 you. Je me suis fait prendre en sandwich par les deux. Mais c'est vraiment des petites vipères, hein. C'était vraiment des très très petites vipères, les gars. Bref, du coup, voilà, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous en voulez plus sur le jeu Brawl Stars. Il y a des passes de combat, il y a plein de trucs à acheter tout le temps. Donc dites-moi si ça vous chauffe justement qu'on fasse un petit peu plus de contenu sur ce jeu. Et clique tout de suite au centre de l'écran pour visionner une autre de mes vidéos.